bienvenue au Forum des associations de Sucé-sur-Erdre. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Pierre Audus, le responsable de Challenge Solidarité. Salut Jean-Pierre. Bonjour. Alors, Challenge Solidarité, qu'est-ce que c'est comme association ? L'objectif de Challenge Solidarité, c'est uniquement d'organiser le Téléthon sur la commune de Sucé-sur-Erdre et un petit peu sur les communes aux alentours, puisque nous participons aussi au niveau de Treillières. D'accord, alors le Téléthon, j'imagine que ce n'est pas quelque chose de facile à organiser, c'est une grosse machine assez complexe, ça se passe comment ? C'est une grosse machine, on va dire qu'on commence à avoir quand même un petit peu d'expérience, c'est notre 25e Téléthon à Sucé-sur-Erdre cette année, et oui. Et puis, on va dire que ça nous prend un peu plus de 6 mois dans l'année. Ah oui, 6 mois, c'est quand même pas mal. C'est beaucoup. Et puis, il faut dire qu'on mobilise toutes les associations, enfin une bonne partie des associations sucéennes, les commerçants, les artisans, les agriculteurs et peut-être une première cette année, les écoles. Combien d'associations, d'adhérents dans Challenge Solidarité ? Challenge Solidarité, on est 25 adhérents. Et combien d'associations participent, aident ? Une trentaine. Une trentaine, c'est déjà pas mal. Oui, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté cette année ? Nouveauté cette année, parce que comme je disais tout à l'heure, on espère la participation des écoles. Il y en a une qui a déjà, donc on peut le voir sur une des affiches, une école maternelle du Levant qui va s'investir donc dans le cadre du Téléthon. Donc sensibilisation et puis le jour du Téléthon, proposer, aider à l'animation donc pour les enfants. D'accord, on peut dire que le Téléthon à Sucé-sur-Erdre, c'est un joli succès, à peu près environ 1000 personnes chaque année. Au moins 1000 personnes. Et puis nous sommes le plus gros Téléthon de Loire-Atlantique. Et au niveau national, on est très très bien placé. C'est les retours que j'ai. D'accord. Le plus gros Téléthon de Loire-Atlantique. On se souvient qu'en 2011, Sucé-sur-Erdre avait été nommée ville ambassadrice. Oui, alors là, c'était encore une autre dimension. Mais c'est une expérience inoubliable. On en parle encore. D'accord. Aujourd'hui, si on devait convaincre une association ou un bénévole de venir vous rejoindre, qu'est-ce que tu lui dirais ? Ce que je lui dirais, c'est au regard, on va dire aujourd'hui, des avancées donc médicales au niveau de l'AFM. Aujourd'hui, il y a transparence au niveau des dons. On sait exactement où vont les dons. Et puis, un point sur lequel j'insiste beaucoup, moi, c'est l'aspect convivialité de l'événement. D'accord. La convivialité de l'événement. Eh bien, écoutez, si comme moi vous avez été convaincu, comment est-ce qu'on fait pour rejoindre l'association ? Soit envoyer un mail ou alors... Le mail. On peut le voir, il va s'inscrire là. Alors c'est quoi ? À ton mail directement ? Ça peut être mon mail directement. Donc jean-pierre.audus@orange.fr. Ou alors, contacter la mairie qui me relaiera, soit par en donnant mon numéro de portable. Il y a toujours moyen. Ceux qui ont vraiment eu envie ont toujours réussi à nous joindre. D'accord. Ceci dit, vous avez aussi une page Facebook ? Donc on a une page Facebook et là, on espère mettre en place donc un site internet avec les nouvelles propositions de la mairie. D'accord, super. Eh bien, écoutez, on a hâte de voir ça. Merci Jean-Pierre et puis très bon forum. Merci Philippe.